Bonjour à tous les amis, c'est Timben et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit clash. Donc peut-être comme vous l'aurez vu, Cyprien clash Cortex. Allez, c'est parti. J'espère que ça bug pas. Juste activer le son. Bon, là c'est la pub, 18 secondes. Alors, placement de produit. Alors, quelques secondes, ne vous inquiétez pas. 5, 4, 3, 2. Voilà. Cyprien clash, quoi. Pourquoi il y aurait eu un clash sur Norman et il n'y aurait pas un clash sur Cyprien, le Mongolien? Moi, je traîne aux Champs-Élysées, je suis avec lui. Ça, c'est Cortex. Blague de merde. Tu dis avoir créé ta marque de vêtements, mais coller une feuille sur un t-shirt n'est pas suffisant. Un succès, les gens pourraient exister, je sais que c'est tentant, mais fais autre chose de ta vie. Tu viens d'avoir 30 ans. Ça y est, ça me revient, ta tête d'obèse moqueur. On était ensemble au CP, mais t'étais déjà majeur. Quand on recherche ton blaze dans Google Images, on apprend tout sur toi, rien que sur la première page. Tu dis rappeur, mais ta carrière décolle pas d'un pouce. La seule scène que tu montes, c'est sur un bateau mouche. Retourne à l'école, tes vidéos en santa. T'écris pas une ligne sans faire une faute. Tu veux absolument me rencontrer. Tu m'as donné rendez-vous sur les Champs-Élysées. Mais y'a que les touristes et des pickpockets. Tu fais partie desquels, j'ai ma petite idée en tête. Retourne à télé, dessin animé, Cortex t'es qu'un minus. C'est ta vie et une ligne de bus, pour toi c'est le terminus. Pas la peine de me répondre tellement ton niveau est minable. Va clasher ma grand-mère pour un niveau équitable. T'as aucun talent et tu parles fort, tu veux te faire remarquer. Bref, tu sais que t'es officiellement le Magloire du rap français. Sébastien, désolé, je voulais pas te clasher. Ma mère m'a toujours interdit de taper sur les handicapés. Donc voilà pour cette première vidéo. Donc on va se laisser. Enfin, je vais en chercher une autre de Clash Cortex. Bon, salut. Désolé pour le temps que ça met. Putain, je tire. La sonnette d'alarme, y'a des trucs sur YouTube qui m'alarment. Y'a des gens qui aiment Cortex, Cortex. Vous aimez Cortex, ça veut dire que vous êtes en détresse, que vous êtes en manque d'amis ou vous avez une vie pourrie. Cortex, c'est un mec mytho qui fait croire aux enfants qu'il a du pognon à gogo. Analysons ses vidéos, il va chez le coiffeur pour 8 euros. Il s'habille comme un triseau, en plus il roule en Renault Clio. Il mange des grecs à la mayo, des pizzas chez Alfonso. Sa gazinière vaut 2,50€, son papier peint, sa maman l'aime bien. Parfois c'est drôle, il joue les méchants, mais regardez-moi un peu ses vieilles têtes de gland. Il ferait même pas peur à un enfant de 5 ans. Moi je le verrais bien dans le rôle de la maman. Maman, te prétends millionnaire, mais t'es le bouc émissaire de la galère. Tu te prends pour un gangster, mais tu habites toujours chez ta mère. Franchement, t'as rien d'autre à faire que de montrer ta vie de merde. Tout le monde se fout de ta gueule, t'as pas compris qu'on te prend pour un mongol. Sur 17 000 abonnés, 16 900 sont là pour se moquer. Quand ils sont un peu énervés, ben ils t'insultent pour se défouler. Tu es un gros pochimbo, le mongol sur qui on l'enlève. Quand tu auras compris ça, t'arrêtera de faire chier avec tes draps. Mais pensez quoi dans vos têtes pour vous abonner à sa chaîne? Tu as une tête de mama et une coupe de barracuda? Tu m'intéresses. Ouais, tu m'intéresses. Pourtant, pourtant, il est peigné comme un tsuba. Il est gras comme un kefta. Il est futé comme Gorky. Ouais, ça veut dire pas plus de QI. En plus, lui, il se sert de chaque actualité pour clasher ou même faire pitié. Et y'en a qui sont assez teubés pour s'abonner. Mais avec vous. Parce que j'entendais quelque chose derrière moi. Bon. Même s'il gagne que quelques centimes. Grâce
grâce à vous, il va se racheter un jean. Envoyez-lui plutôt de l'argent dans des enveloppes pour qu'il puisse changer ses putains de têtes de fiotte. Mais dis-moi, Cortex, c'est quoi ce bordel? C'est des cheveux ou c'est de la laine de verre? Tu racontes que c'est une coupe à 400 palos, mais sur la vitrine, c'est marqué 8 euros. Cortex, je t'ai déjà vu quelque part. Mais oui, bien sûr, tu as joué un rôle au cinéma. Tu as incarné le personnage de Booba. Pas Booba le rappeur, mais le pote à Forrest Gump. Forrest Gump. Ça, y a pas besoin. C'est indéniable, ça s'entend que tu suces car tu articules. Bibi. T'es le meilleur, sosie de ma gloire. Ma gloire. Cortex 91, les alors, ça, c'est lui. On est là, qui est toujours on est là. On représente les mecs de la TES. On représente les mecs qui sont en prison. Tu vois ce que je veux dire? Tous les musulmans du monde entier, frère. Comme tu sais, on est là, on représente les gens qui font. Et celui qui est pas content, qui vient quand il me voit quelque part dans toute la France entière, où tu veux, moi je suis un des meilleurs rappeurs en France parce que moi je revendique des vraies choses. Quand je me suis un peu calmé, les gens ils disent Cortex s'est calmé parce que François Hollande il est au pouvoir, c'est la gauche elle a pris toi. Ah non, c'est parce que mon téléphone il bug. Cortex 91. Cortex 91. Cortex 91. Tu te prétends millionnaire, mais tes boucs émissaires de la galère. Tu te prends pour un gangster, mais tu habites toujours chez ta mère. Franchement, t'as rien d'autre à faire que de montrer ta vie de merde. Tout le monde se fout ta gueule, t'as pas compris qu'on te prend pour un mongol. Sur 17 000 abonnés, 16 900 sont là pour se moquer. Quand ils sont un peu énervés, ben ils t'insultent pour se défouler. Tu es un gros pochimbo, le mongol sur qui on l'enlève. Bon, voilà pour la fin de cette vidéo. On va se retrouver une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Norman qui a fait cette chanson. Ciao.